Alors, on va regarder Bernard Pelard. Ensuite, il y aura Ludivine Furnon. Et juste le temps, maintenant, même, il nous excusera Bernard Pelard. Mais je vais vous rappeler tout de même un événement. C'était à Sabaé. Je pense que Jean-Maurice Hogg s'en souvient. C'est la médaille d'or de Vitaly Tcherbo au sol. Je pense qu'on va vous montrer cela dans quelques secondes. Mais là, c'est parti pour Pelard. Un Pelard un peu blessé au genou. Qui est sorti du praticable. Série avant. Un salto tendu et deux saltos avant groupés enchaînés. Voilà, on retrouve donc maintenant, après Bernard Pelard, Tcherbo, nous allons vous l'indiquer, nous vous le montrer tout à l'heure. Et on va aller tout de suite vers les barres asymétriques. On regarde la diagonale de Bernard Pelard. Voilà. Mais on va tout de suite voir la petite merveille Ludivine Furnon.